Si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description sous la vidéo les références de ce parc. Vous pouvez voir à quel endroit il a été commandé, pour quel tarif, si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, ce n'est absolument pas un placement de produit, c'est un simple partage d'expérience. Comme vous avez pu vous en rendre compte, ce n'est pas particulièrement compliqué, c'est plus un peu répétitif à certains moments. J'ai lu les trois premières cases du mode d'emploi et puis après j'avais compris. J'ai trouvé que l'étape la plus compliquée, c'était en réalité de vérifier qu'il n'y avait aucune pièce manquante lors du déballage du colis. Vous avez vu qu'à certains moments j'ai fait des erreurs et puis j'ai fait ça dans n'importe quel ordre et l'objet ne m'a pas sanctionné, donc on peut dire que c'est quand même un montage assez facile. À brûle pour point et n'ayant consulté que les trois premières vignettes du mode d'emploi, j'aurais tendance à vous conseiller de commencer par le fond, à fixer les barres du fond du parc et après faire les montants et les tâches du dessus. Mais de ce que j'ai expérimenté, c'est pas indispensable de suivre cet ordre. J'espère en tout cas que ces images pourront vous aider, même si vous êtes une mère célibataire complètement dépassée et qui se trouve elle-même très très nulle en bricolage. C'est en faisant qu'on fait, comme dirait mon homologue youtubeur Fab. Si vous appréciez ce retour d'expérience vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez vous débrouiller un maximum par vous-même, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. À cet effet vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique puériculture, qui collecte beaucoup d'informations pratiques.